Bonjour, je m'appelle Ewen. Je suis étudiant à Hochschule Lausitz à Seftenberg. Et je viens de France. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'université. Il faut qu'on y aille maintenant, parce que les cours vont bientôt commencer. Allez, suivez-moi. Ah, au fait, voici mon studio, avec salle de bain, cuisine équipée, entièrement meublée, de la place pour travailler, un beau chauffage pour l'hiver. Et ça coûte seulement 170 euros par mois. Donc c'est très bien pour un étudiant. Allez, on y va. La Hochschule Lausitz est constituée de deux campus, situés sur deux villes du sud de Brandenburg, Cottbus et Seftenberg. Nous nous trouvons ici sur le campus de Seftenberg. Seftenberg est une petite ville, mais néanmoins agréable pour les étudiants. Il y a Vigny pas cher. On peut facilement aller à Berlin ou à Dresde grâce au Bandarbrook Ticket qui permet d'y aller à 5 personnes pour seulement 27 euros, ce qui est pas cher. Les départements qui sont proposés au campus de Seftenberg sont la biotechnologie, la chimie, l'informatique, télécommunication et électrotechnique, construction mécanique, technologie médicale, chimie organique, physiothérapie et génie économique. Le second campus est situé à Cottbus. Cottbus est la deuxième plus grosse ville de Brandenburg, à 35 km de Seftenberg. C'est une ville dynamique avec de nombreux étudiants. Les départements qui sont proposés à Cottbus sont l'architecture, le génie civil, la microéconomie appliquée, la gérontologie, pédagogie de la musique et du chant, bâtiments à basse consommation et adaptés à l'environnement, et sciences sociales. Tous les départements proposent donc un bachelor, un niveau licence, et la plupart proposent également un niveau master. Sur le Lausitz, c'est qu'il y a toujours de la place dans les amphithéâtres. Et les cours sont à échelle humaine. Bon, là je dois y aller. Il y a quelque chose que j'ai pas compris au dernier cours magistral, mais les professeurs ont toujours du temps pour répondre à nos questions, donc faut pas hésiter à venir les voir. Guten Tag. Hallo. Ich habe eine Frage über den Zahnrad. Komm, nehmen Sie Platz bitte. Sie haben eine Frage über ein Zahnrad. Was haben Sie denn nicht verstanden? Ja, wie das funktioniert. Ja, schauen Sie, ich habe hier ein Zahnrad und wir haben ja über das schräg verzahnte Zahnrad gesprochen. Wenn Sie jetzt schauen, sehen Sie, dass die Flanken schräg sind. Pour toute question concernant la vie quotidienne, donc le logement, internet ou un problème de visa, faut pas hésiter à venir au bureau des relations internationales. Et là justement, j'ai une question à poser. J'ai un copain qui va venir étudier ici l'année prochaine et j'aimerais savoir si c'est possible de lui trouver une chambre étudiante. Allô. Hallo, kommen Sie doch rein. Ja, ich habe eine Frage. Ein Freund von mir wird das nächste Jahr hier studieren. Und ich würde wissen, wenn es gibt. Ja, da gucken wir gleich mal. Der muss ein Wohnheimzimmer beantragen. Das wird. Ici, pas de rue, mais une mensa qui se trouve en plein milieu du campus, que ce soit à Cottbus ou à Seftenberg. On peut y avoir un plat chaud à partir de 1,50€, c'est vraiment pas cher, ça reste bon et c'est parfait pour un étudiant. Les étudiants étrangers qui ont un niveau trop faible pour suivre les cours en allemand ou qui ont quelques difficultés peuvent venir suivre des cours d'allemand à Hochschule Lausitz et ce, dès le premier jour de leur arrivée. Et vous pouvez voir ici un cours d'allemand qui se déroule. Seit dem Wintersemester 2010-2011 bietet die Hochschule Lausitz ein Programm zum erfolgreichen Studieneinstieg für ausländische Studierende an.
Solltet ihr euch für dieses Programm bewerben, solltet ihr bereits eine Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium in Deutschland sowie Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Dieses studienvorbereitende Jahr besteht aus einem Deutsch-Intensivkurs, der durch einen sprachpraktischen Teil ergänzt wird. Des Weiteren beinhaltet das Programm kulturell-landeskundliche Veranstaltungen, Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten an deutschen Hochschulen sowie ein integriertes fachliches Propädeutikum. Solltet ihr bereits umfangreichere Deutschkenntnisse besitzen, dann könnt ihr auch zum jeweiligen Sommersemester in das studienvorbereitende Programm einsteigen. Während des vorbereitenden Jahres seid ihr an der Hochschule Lausitz immatrikuliert. Dies bedeutet, dass ihr alle Angebote der Hochschule nutzen könnt und eröffnet euch dadurch die Möglichkeit, euch über euer angestrebtes Studium vorab umfassend zu informieren, beispielsweise durch den Besuch von Vorlesungen verschiedener Fachbereiche. Wir freuen uns auf euer Kommen. Hier ist Gas, ja? Da unten? Ja. Hier. Hier beim Motorroller? Dann da gleich einfach so richtig so, ja? Und dann drehen. La Hochschule Lausitz est équipée d'ateliers qui permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances qu'ils acquièrent pendant leur formation. Les ateliers sont équipés de machines sophistiquées et les étudiants travaillent sur des projets d'envergure du type de l'éco-shell marathon où ils construisent une voiture solaire. Seftenberg est une petite ville, mais il y a pour autant plein de choses, d'activités à faire, notamment en sport. Il y a un gymnase direct sur le campus. On peut faire du basket, du volley, football en intérieur, badminton. Et il y a aussi une salle de fitness. Le tout pour 25 euros par an. C'est pas grand-chose. Plusieurs activités sont proposées à Seftenberg. On peut faire par exemple du snowboard tout au long de l'année en intérieur. Il y a aussi un super théâtre original. Lorsque les beaux jours sont là, on peut faire des super balades à vélo, pour balade ou plutôt VTT, comme on veut. Beaucoup d'activités sont proposées aux étudiants étrangers, ce qui permet de rencontrer du monde, de ne pas rester seul, mais aussi de faire connaissance avec différentes cultures. On découvre la région à travers des excursions comme à Berlin, Dresde ou dans Spreewald. L'été, il y a des soirées grillades, l'hiver, c'est plutôt bowling et on fête Noël tous ensemble. Il y a aussi le Mate Project, qui permet de faire un tandem entre un étudiant étranger et un étudiant allemand, ou alors avec un autre étudiant étranger qui était déjà là l'année dernière. Donc il y a échange de culture, on peut parler en allemand et on peut découvrir de nouvelles langues, et ça facilite aussi l'arrivée des nouveaux étudiants qui ne connaissent pas forcément le campus et qui ont plein de choses à découvrir. Donc ce tandem est là pour les aider.